Poker Stars vous présente le North American Poker Tour. Trouvez la star du poker qui est en vous sur pokerstars.fr. Oh my God! Woohoo! You're the one for the bounty! For the bounty, one time! I'm feeling really good. All I care about is winning at this point. Winning this tournament would be huge. Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Nous sommes de retour au Mohegan Sun, un casino un petit peu perdu au milieu de nulle part aux États-Unis, sur la côte Est. Perdu au milieu de nulle part, mais démesuré à l'américaine, un casino à la Vegas, on pourrait dire. Et avec une poker room digne de ce nom, puisqu'elle accueille l'un des tournois les plus importants d'Amérique du Nord, le North American Poker Tour, NAPT. Et à l'intérieur de ce tournoi, eh bien, nous ne sommes pas surpris de voir des têtes connues et même très connues. Quelques-uns des plus grands joueurs de poker au monde ont fait le déplacement. Et Marion, nous avons un tournoi de poker un petit peu particulier, ce High Roller Knockout Shootout. On va expliquer un petit peu plus tard de quoi il s'agit si vous n'avez pas suivi la première partie de ce tournoi. Et sans plus attendre, nous allons plonger dans l'action. Et de l'action, il va y en avoir avec Daniel Negreanu, juste à côté de Jacka. Comme à son habitude, hein, ça parle beaucoup. Ça lui plaît, le Jacka Negreanu. Et avant de les retrouver en pleine action, un petit rappel de leur tapis, Daniel Negreanu 15 000, Jacka 53 000, mais il n'est pas chip leader, c'est Horvitch qui l'est avec un tapis de 66 000. Lemke qui relance avec As-9 assorti à 1200. 5-3 déparié chez Jacka. Il est tribet. Une option très agressive avec 5 et 3. Il relance donc à 2800. Et mauvaise nouvelle, c'est payé. Le 9 au flop. C'est Jacka qui parle en premier. Il check. On check derrière. Fait de même. En plus, il a un 9. Ah, la doublette du 10, c'est plutôt une bonne carte pour Lemke, même si les piques sont rentrées. Ça limite un petit peu les chances de Jacka d'en avoir un. Il check deux fois, donc a priori l'overpair est à oublier. Donc son 9 doit être bon, et c'est pour ça qu'il mise à 1900. Oh, il est relancé. Oui, il est relancé à 5500, mais cette relance ne veut pas dire grand-chose. C'est la raison pour laquelle Lemke paye sans trop hésiter, sans trop attendre. Le double check et avec un check raise sur le turn, c'est un petit peu étonnant. Il représente beaucoup de force, Jacka, beaucoup de force ou rien, et ça sera souvent rien. Et il bet 6900 Jacka sur la river, ce qui couvre largement Lemke. Et donc s'il veut payer, il doit mettre son tapis. Et il passe. Oh, il passe. Bah, ce qui est un peu étonnant, c'est pas de passer, parce qu'effectivement, il n'a pas une main extraordinaire, mais c'est de payer au turn et de passer sur le 4 de carreau. Oui, surtout qu'il n'a pas de pique en main, donc il espère pas non plus toucher quoi que ce soit. Assez étrange. Jacka en caisse, Daniel plaisante, tout va bien. Un petit rappel du principe du tournoi, le shootout, c'est-à-dire que ce sont les sit and go, il faut vaincre sa table, il y en a 6 en tout. Et le vainqueur empoche 60 000 dollars et surtout un ticket d'entrée pour la grande finale. C'est un tournoi avec des bounties, c'est-à-dire à chaque élimination de joueurs, son adversaire empoche 5 000 dollars.
Le joueur qui cumule le plus de bounty gagne une place pour un NAPT. Mais attention, c'est un winner take all, c'est-à-dire que seul le vainqueur empochera 350 000 dollars en table finale et les autres rentreront bredouille. L'Américain Scott Seaver, qui avait fait un carnage lors du High Roller au Venetian, il avait terminé quatrième certes, mais il avait empoché une prime de 100 000 dollars parce que c'était lui qui avait empoché le plus de bounty. Alors que voilà de l'action entre Dyer et Griffin, voici Griffin à l'écran. Mal engagé Griffin et il trouve pas un bon flop. C'est même un flop assez calamiteux. Oui, deux paires à suite. Et personne n'a de carreau. Et c'est fini. Il ne peut plus gagner ce coup. Élimination un peu précipitée hein, de Griffin. Oui, c'est lui qui avait remporté le high roller du Venetian, la toute première étape du NAPT. Il aurait été un petit peu moins chanceux ici à Mohegan-Sun. Et on change de table. Oui, beaucoup d'action à cette table annexe. Woodward avec une paire et un tirage quinte par les deux bouts face à Smith et sa paire d'as. C'est la quinte qui rentre tout de suite au turn. Smith ne peut plus gagner. Peut-être un partage si un 8 tombait. C'est sa seule chance hein, de rester parmi nous. Bon, il se lève, hein. Il a compris. Ah, Last River, tout de même. Un joli pot pour Woodward et surtout un bounty. Allons rejoindre la table télévisée. Jaka, Jaka. Ça n'a pas l'air vraiment de le faire rire, Jaka, les petites blagues de Daniel. Bah, ça l'amusait au début, mais enfin là, je crois que ça fait quand même plusieurs heures qu'il entend Jaka, Jaka. Donc au bout d'un moment, ça l'amuse moins. Les blindes sont passées à 300-600 avec des entées de 75. Jaka avec 6 et 7. Il est au bouton, il attaque à 1500. Oh. Décidément, qu'est-ce qu'on a comme paire d'as dans ce tournoi ? Here it comes. Perry's gonna re-raise. Et va relancer. Et oui, il l'annonce tout tranquillement. Et voilà, je vais sur relancer. Oh, c'est pas cher, 3000. Et bim, tapis de la grosse blinde avec As-Dame. Pas être mécontent, Horvitch, d'entendre la relance à tapis de Lemke. Ce dernier est mal en point, avec seulement 10% de chance de s'en sortir. Jaka, il est mal tombé au bouton, hein. Il a voulu voler les blindes, il était servi. Le flop n'aide pas du tout Lemke, des trèfles backdoor peut-être. Et non, c'est fini. Il ne peut plus gagner Lemke, l'Américain. Et malheureusement, il n'aura eu aucun bounty. Don't scare me, Daniel. You're frightening enough, really, don't you? Et voici notre petit moment de détente, Marion, l'arrivée tonitruante de Johanna Krupa qui nous fait un petit peu de réclame. Alors Johanna Krupa, elle est somptueuse, on ne peut pas dire le contraire, mais j'ai percé à jour son secret, Marion. Elle n'a que 3 robes dans sa garde-robe. Et là, c'est la configuration robe noire. Allez, plus sérieusement, on retrouve l'action de ce tournoi NAPT. Et on commence avec un point sur le chip 40, table 6, c'est assez équilibré. Table 4, Jason Mercier et Matt Woodward sont en tête, Eliberg et Shortstack. Sean Buchanan, le Canadien, est en tête sur la table 3. Et table 1, Matt Glantz est le chip leader avec près de 70 000 jetons. Et filons à la table 1 afin de retrouver un petit peu d'action, et cette fois entre Seaver et Dyer. Tapis payé, bien évidemment, avec les valets contre As-Dame. Le fameux coin flip. Plutôt standard pour un pot de 42 000. Ouh là là, le brelan tout de suite et tirage quinte pour Dyer. Oui, avec un 10. Mais ça se complique quand même sérieusement. Oui, c'est pas gagné. Et bah écoute. Et personne n'a de cœur. Donc il ne joue plus que le full Seaver. S'il veut repasser devant et éliminer d'ailleurs.
Oh. Le carré. Autant pour moi, j'ai oublié le carré. On l'oublie souvent, une seule carte pour le carré. Mais c'est suffisant. Bon, il jouait quand même 10 cartes à la river, hein. il était pas mort. Bien parti pour réitérer sa performance au Venetian. Matt Seaver qui nous dit généralement quand on me demande mais pourquoi, comment je fais pour avoir de tels résultats, et ben, je leur dis oh ben j'ai eu beaucoup de chance, mais en fait c'est pas vraiment ça, je suis très content de la façon dont je joue et je suis très heureux de pouvoir progresser à ce point parce que j'ai énormément travaillé et plus je joue demain, et bien plus je suis capable de lire mes adversaires. À la table, je suis le type amusant, je n'hésite pas à rire, à prendre beaucoup de plaisir, à parler à mes adversaires, je fais le spectacle. Je pense que c'est plus facile de lire dans le jeu des adversaires lorsqu'on est détendu, relax. Mais bien sûr, j'aimerais bien passer pour un génie, vraiment concentré sur la stratégie, la profondeur de réflexion du jeu, mais c'est tellement plus facile quand on est détendu de parler aux gens et d'obtenir de l'information. Et Scott Seaver est déjà à plus de 800 000 dollars de gains depuis le début de sa carrière. Quant à Daniel Negreanu, il a dépassé les 13 millions de dollars. Sa réputation n'est pas usurpée. Oui, tout à fait. Et on retourne en table télévisée. Il ne sont plus que 3 joueurs à la table. Un as au bouton pour Daniel. Qui relance à 1200. Jack à passe. Roi 10 pour la grosse blinde. Horwich. Et Negreanu qui chauffe un petit peu Horwich, qui lui dit « Oh oui, j'ai tellement envie que tu me payes. Allez, paye, parce que je vais flopper directement ma quinte. Directement sur le flop. 5, 6, 7. » Déjà, il annonce pas une vraiment. Hein. C'est pour flopper quinte avec 5, 6, 7. Et bien, il lui dit « Ah, avec ce flop-là, c'est quand même difficile de flopper une quinte. » Pourquoi tu mises autant? Mais ça va être payé. Ça qui fait assez cher, hein. Il fait 2600, je vois pas vraiment pourquoi il fait autant. Allez, c'est payé. Et Daniel qui dit, je m'attendais pas du tout à ce que tu fasses ça. Et pour cause, c'est quand même rarement très bien joué. Doublette du valet. Oh, ça va pas trop plaire, ça, à Daniel Negreanu. C'est quand même assez fréquent, hein, les donk bêtes avec la deuxième paire. Got lucky. Tu sais quoi, t'as eu de la chance. Il fait 6000. C'est possible. Mais je suis pas sûr. Je pense que tu as eu de la chance, dit Daniel à Horwich. Mais je ne suis pas sûr. Je pense que tu as un brelan de valet. Et ça, un brelan de valet, je ne peux pas le battre. Et il jette. That could be a really bad fold. Bon, Horwich remporte ce coup, mais d'une manière assez dangereuse. Hein. Oula, coup dur pour Daniel Negreanu, qui descend à 10 000 de stack, laissant Horwich monter un tapis de plus de 77 000. Il est resté perplexe, Daniel Negreanu, sur ce coup. Oui, il doit continuer de cogiter sur ce coup étrange. Surtout que les blindes sont passées à 300, 600. Ça devient cher pour Daniel, il a moins de 10 000 de stack. Allez, une relance, ça c'est plus standard. Depuis le bouton de la part d'Horwich. Il fait 2 big blindes. Toute petite relance donc. I will participate. Je vais participer, dit Faraz Jaka. Il a bien fait de participer, Faraz Jaka. Très beau flop. Tirage quinte par les deux bouts, tirage couleur. Et Horwich, lui, a 2 paires. Oula, il va faire mal ce coup. Une toute petite mise. Non. Il avait déjà fait ça, on le sait, Faraz Jaka, des toutes petites mises dans le pot.
I'll make it 2400. Et donc bête, hein, c'est lui qui mise sur ce flop alors que c'est son adversaire qui avait attaqué pré-flop. Et la sanction, hein, très souvent quand on est donc bête, on peut se faire relancer, c'est un risque qu'on prend. Et ça, c'est le cas. À 2400. C'est payé par Farz Jaka. Oh là là, le full. Oh. Le fameux soupir. Voilà. C'est dur d'être max. Jaka fait encore 800. Et Horvitch qui se relance à 2400. Ça amuse beaucoup Daniel qui n'est pas dans le coup. Oui, c'est pas du poker de très grand niveau quand même qu'on voit là. Il y a des choses un peu bizarres. C'est sûr qu'il y a plus... Il y a plus brillant. Bon, en tout cas, c'est payé. No hurts. Mais c'était assez astucieux de la part de Horwich, je trouve, d'avoir fait encore une fois 2400. C'était un petit clin d'œil assez sympathique. Et là, maintenant, Jaka qui n'a pas touché, après avoir fait deux petites mises. Ah, bah cette fois, il check. Son coup est fini, il l'abandonne. Et toujours la même mise de la part d'Horwich, 2400. C'est une invitation à payer, mais évidemment, il n'a rien du tout, Jaka. I'm just kidding. Il fait, non, je plaisantais. Il aurait essayé de limiter un maximum le prix de son tirage, Jaka, en faisant des petites mises. Malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Oh, et le tacle de Daniel Negreanu qui dit « J'ai jamais vu un joueur de poker jouer un coup comme ça une seule fois dans ma vie. » Et Farz Jaka rétorque « Oui, mais quand tu verras mes cartes, tu sauras pourquoi j'ai joué comme ça. » Et Daniel lui dit « Non, non, pas sûr. Non, non, je suis pas sûr de comprendre. » Ouais, c'était un coup assez particulier. Enfin, on passe à une autre table avec Jason Mercier, top pair, avec un bon kicker, alors que son adversaire devra se contenter de la deuxième paire, le 8. Woodwork est très mal parti sur ce coup, qui est énorme, hein, 87 000 au milieu. Un 10, un 8 pour le sauver. Et non, malheureusement, rien n'est venu et Mercier empoche un bounty. Jason Mercier, hein, vous le connaissez, c'est un habitué du circuit EPT, NAPT, WSOP. Ouais, il tous les circuits possibles. Cumulé, c'est vrai. Et avec un nombre de performances incroyable. En table annexe, paire de dames contre As-10. Et il a embêté à Paston. J'imagine qu'il avait attaqué pré-flop. Il a dû faire un contestation bet, mais il est relancé sur ce flop où il y a un As. Ouais, il a payé un petit peu avec un air dépité. Il a bien senti que son adversaire avait l'as. Le valet ne change rien. Une dame, uniquement une dame pour sauver l'américain. Il en reste deux dans le paquet seulement. Et non, pas de miracle. Scott Paston éliminé, il devra se contenter du petit lot de consolation, son bounty, qui lui rapporte $5,000. Et un petit récapitulatif des bounties, c'est Sam Steen qui est en tête avec 3 bounties, à égalité avec le Canadien Sean Buchanan. Ils empochent tous les deux $15,000, enfin je dis tous les deux, mais chacun $15,000. Pour le moment. Et Daniel Negreanu, lui, est bredouille, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il a une table un petit peu particulière où les joueurs jouent de façon étrange, mais ça passe. Farz Jaka qui attaque avec Valet 6 à sortie depuis le bouton. Oui, mise 1500. Et Daniel justement à la grosse blinde avec un as très correct. Ah, chez qui on voit tout. Jaka a un peu plus de 7000 à rajouter. And you don't have a good hand. Et tu n'as pas une bonne main. You don't have a good hand. He was trying to steal my money. Always trying to steal your money. Yeah, what are you going to do now? Alors, qu'est-ce que tu vas faire, dit Daniel? He's got garbage. Il a une poubelle, dit-il. It's pretty, doesn't it? On a eu la même scène, hein, tout à l'heure. Il avait payé déjà avec une main moyenne. Pour le bounty, c'était dans l'autre sens, c'est Daniel qui avait payé. Jack a fait la même chose avec Valet 6. 1,74.
Don't play no games now. Enter stronger. Huh? Reinforcement. Yeah, yeah. Il veut faire couleur, Jacka. C'est pas mal. C'est un bon plan A. Oui, c'est un bon plan. Mais il se contenterait d'un valet. Oh là là. Oh, double paire, valet 6 directement. Oh là là, quelle chance. Jack 3, Jack 6, you suck. Ouais, Daniel, déjà debout, il a compris, ça va être très très dur de repasser devant. Par deux paires backdoor, brelant backdoor. Il y a quand même très peu de chance. Oh là là, le full. Et le full. Bah voilà, c'est fini. Élimination. Il se mange. Et Daniel qui va voir vite, c'est qui lui dit, ah, je te jure, hein, il faut que tu gagnes. Je suis à fond derrière toi, il faut que tu élimines Jacka. Alright, bye. What the hell? Jack 3, Jack 6. Et on le disait, c'est déroulement de partie un peu étrange entre Perry Horvitch et Faraz Jacka. Et alors, les deux en heads-up, ça nous promet du beau. Un peu agacé, Daniel Negreanu, il dit, mais Jacka, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il paye avec Valet 3, maintenant Valet 6. Alors bien sûr, c'est pour le bounty, mais enfin, encore faut-il gagner avec Valet 6. Faraz Jacka, c'est probablement un type bien, mais là, ce soir, il m'a un petit peu agacé. For the bounty, one time. Et le bilan des bounties pour le moment, c'est Steen et Buchanan qui mènent la danse avec tous les deux 3 bounties. Quant aux autres, ils devront se débrouiller avec leurs 2 bounties, mais attention, il y a quand même un ticket pour un NAPT à la gagne, donc il faut aller chercher les bounties. Ils ne sont plus que 3 à la table télévisée. Voici Scott Seaver, Pat Pedzin et Matt Glentz. Matt Glentz, bien parti, hein. Il a 70 000 de stack. Seaver, il nous l'a dit, hein. Il est détendu à une table. Il aime parler, il aime être détendu. Et il le prouve ici. Très sympathique, très bonne attitude de ce joueur. Augmentation des blindes, nous passons à 400-800 en T100. Et ça commence plutôt pas mal avec As-10 au bouton. Seaver qui attaque à 2050. Paire de 4 pour notre ami canadien. Va-t-il rejoindre Daniel? Il relance à 13 000. Oh là là, As-3, décidément les bonnes mains sont de sortie, mais celle-ci est pas mal du tout. Ah, c'est vraiment une configuration assez rare, hein. Ils ne sont que 3 joueurs à la table, et ils ont tous les 3 une vraie main. Mon Seaver abandonne. Oui, il a compris. Mais le problème, c'est que je ne connais pas le tapis de Pézine. Ah si, ça va, il peut encore passer. Oui, il a tenté ce qu'on appelle un restyle, c'est-à-dire qu'il soupçonnait le bouton de vouloir voler avec un range de main assez large, alors avec sa paire de 4, il s'est dit, bah, c'est pas si mal, mais forcément, avec une surrelance derrière, ça change tout, parce qu'il joue plus, il joue même plus un coin flip, a priori, il serait contre une grosse paire, bon, en l'occurrence, c'était un coin flip, mais il fallait aller le chercher quand même avec une paire de 4, donc le fold était assez logique, il a pris la bonne décision, et on retrouve Faraz Jacka, contre Horwich qui est à tapis. Le heads-up diabolique avec deux monstres, un 6-5 contre Roi 4. Et le 4 pour Jacka. Très en forme, Jacka, avec des mains poubelles. Bon, il était devant. Ah, tirage qu'un de parler debout maintenant pour Horwich. Et il risque l'élimination, Horwich, s'il ne touche pas la river. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la quinte. Mais il a perdu 70. Tout son stack. Il a dû tout donner à Jacka. Well, let's keep playing. Parce qu'il le couvrait quand même largement, hein, quand on les a laissés tout à l'heure. One's good, guys. Il a dû perdre de mauvais coups. Et en tout cas, là, bon, il remonte déjà à 17 200. Vasquez, quant à lui, a tirage quinte avec la deuxième paire du flop, le 9. Tout comme Déborah.
Ça suffit largement pour l'éliminer. Donc, mauvais quart d'heure pour la team pro-canadienne. Oui, puis c'est vraiment le quart d'heure des éliminations, parce que là, en peu de temps, on a perdu quand même beaucoup de joueurs. L'augmentation des blindes a été fatale. Ouais, le palier 400-800 a fait mal. Peter Jetten, un joueur qu'on connaît bien, qui est très présent sur le circuit. Ah là, ça s'est calmé à la table. Hein. Oui, il faut dire qu'ils ont des stacks assez importants. 51 000 pour Seaver, tout va bien. Ce joueur-là aussi, il a 80 000. Il n'y a que pour le Canadien hein, que ça devient un petit peu embêtant. Il va falloir bouger. Et Roi Valet. Oh, mais il y a tellement d'actions avant lui. Là, il va lui falloir vraiment une main. En l'occurrence, c'est pas le cas. Il passe. Personne n'a rien. Check, oui, le check prudent. Est-ce qu'on va avoir un continuation bet de la part de Matt Glenz? Non, non, il check. Il check également. Le 6. Petit tirage quinte pour Glenz. Ouais, quinte ventrale avec un 9. Alors, ventrale sur une seule carte à tirer, c'est pas brillant quand même. Et c'est Seaver qui prend l'initiative sur cette turn à 4000. Ouais, c'est très dur là pour le joueur de payer quand même. Oh oui, oui, mais c'est payé. Voilà, il paye plus pour sa hauteur as que pour sa quinte. Hein. Mmh, sans doute. En tout cas, la quinte ne rentre pas, mais c'est Seaver qui repasse devant en touchant son roi. Il va pouvoir mettre tranquillement un deuxième barrel. Il y a 13 000 au cours. C'est ça, il y a 13 003, il va faire quoi, 6 000? Oula, il fait cher. Il fait cher, oui, il suppose que son adversaire a payé la turn avec une vraie main, qu'il avait vraiment touché du lourd, et donc il essaye de valoriser un maximum sa main. De toute façon, si son adversaire est à tirage, qu'il fasse une petite mise ou une grosse mise, il ne paiera pas. Alors s'il a quelque chose, autant essayer de lui soutirer un maximum. Ah, les fameuses discussions d'après-coup, où on essaie quand même de savoir si on a bien fait de passer ou pas. C'est traditionnel hein, au poker, c'est vraiment très très fréquent. La pêche aux informations. On veut se rassurer, être sûr d'avoir pris la bonne décision. Allez, on reste toujours à la même table. Avec notre Canadien, le short stack avec 13 000 de tapis qui découvre paire de 4. C'est le moment. Voilà, il prend ses jetons, il envoie tout. Il a regardé très rapidement sa main, on n'a pas eu le temps de la voir. C'est payé. Bon, 7-3, ça passe. Bon, a priori, ce sera un 50-50. Oh, oh non, quelle embellie! Il est payé par paire de deux. So sick. C'est parfait hein, pour le Canadien. Il se retrouve en 80-20, largement favori. Ça amuse beaucoup Seaver, cette situation. Oui, et puis ils ironisent, ils disent oh, « je suis également dominé sur la couleur ». Ah oui, cœur épique tous les deux. Donc il faut vraiment un 2, ou alors des cartes. Oh, le 2! Ouh là là oh, là c'est là! C'est pas là possible. Le 2, tout de suite, floppé pour Glenz. Coup dur pour Pézine. Allez, un 3 un pour 3 la quinte. Un 3 pour la quinte. The Wheel, la toute petite quinte. Good luck, Pat. Allez, un 4. Et non. Et non. Doublette du 5. Le full pour Glantz qui élimine le Canadien. Il repart avec 5000 dollars grâce à son bounty. Thanks, I won one. Et on a donc une nouvelle table en heads-up.
Un heads up à 60 000 dollars et une possibilité de se qualifier pour la table finale. Voici le heads up et j'ai l'impression, Marion, qu'on va avoir deux joueurs un peu actifs, tant au niveau des cartes que de la parlotte. Et oui, mais un seul des deux joueurs pourra aller papoter en table finale. C'est bien vrai. Matt Glenz, qui a été trader pendant quelques années. Il nous dit que c'est une profession qui est très stressante. La plupart du temps, les gens ne tiennent pas plus de 2 ans. Lui, il a duré 10 ans. Et puis, il s'est arrêté. Il en a eu marre, comme tout le monde. Et puis, au début des années 2000, il a découvert le poker. C'était le grand boom du poker. Et il s'y est mis. Il nous dit que la bourse est un très bon exercice pour le poker parce que ça apprend le stress. Il y a des grandes périodes de stress à la bourse. Ça apprend également à perdre, à gérer les pertes énormes qu'on peut avoir. Et puis également les longues sessions parce qu'on travaille énormément. Et au poker, c'est un peu la même chose. On doit jouer parfois pendant plus de 12 heures d'affilée. Et Matt Glenz qui nous dit qu'il joue maintenant au poker à plein temps depuis plus de 5 ans. On a donc un joueur d'expérience à la table. On file à une autre table et on retrouve le professionnel Jason Mercier avec deux As qui couvrent son adversaire, qui a la deuxième paire du flop. Ah, la turn est assez prometteuse, elle lui ouvre à présent un tirage quinte ventrale à Berg s'il veut être sauvé de ce mauvais coup. Et non, rien du tout, c'est pour Jason Mercier. Qui élimine Eli Berg et qui récupère donc le bounty de 5000 dollars. Voilà, hop. Le voici. Et c'est pas le premier. Oh, c'est mignon. Il va prendre un petit peu de réconfort auprès de sa copine avant de se retrouver en heads up. Et on file retrouver nos deux joueurs un petit peu fous. Jacka qui se retrouve dans ce coup avec un petit 3. Oui, contre Horwich, As-Valet. Et qui est en bluff. Et qui est couvert, surtout. En plus, ils ont le valet en commun, donc du coup, ça complique un petit peu les choses, là, pour Horwich, qui ne joue plus que les As. Pas d'As au turn, il en faut un désespérément à la river. Va-t-il arriver ? Et non. Et non, c'en est fini. Jacka sera donc parmi nous pour la table finale de ce NAPT. Et Perry Horwich est éliminé. Il empoche quand même ses deux bounties, donc 10 000 dollars. C'est bien mieux pour Faraz Jacka avec 3 bounties, 15 000 dollars et une place en table finale. Six tables en début de journée, il n'y en a plus que trois. À la table 6, le heads-up Vasquez contre Jeten. En table 3, c'est Buchanan qui mène la danse avec un tapis de 120 000. Et en table télévisée, Glantz et Seaver, mais ils ont quasiment le même tapis, donc tout est jouable. Allez, c'est reparti, et voici le heads-up de la table télévisée. Toujours au blind 400-800, en T100. Always my friend Matt. Glantz au bouton. Avec Dame 8. Et il attaque à 2200. Ou mal tombé. As-Roi chez Seaver. Qui surrelance, c'est assez prévisible. Ouais, il fait 7800. C'est payé, on a déjà un beau pot au milieu, hein, presque 16 000. Oh là là, le 8 en top pair pour Matt Glenz sur un flop qui a l'air assez inoffensif. Seaver va faire son continuation bet, il y a 15 800 au pot. 7 8000. Voilà, oh, 6200. C'est payé.
où il a vraiment trouvé son flop. Glance pour le moment. Et ça continue sans la brique à la turn. Et bah Siver qui avait une très belle main en heads up se retrouve à la transformer complètement en bluff. Oui, il essaie de représenter une paire. Et c'est vrai que sur un board comme celui-ci, il peut représenter à peu près toutes les paires possibles. Il va payer ce deuxième barrel. Voilà, c'est chose faite. Et là, Siver devrait commencer à s'inquiéter. Un joueur qui colle deux barrels. Il n'y a pas de tirage, hein, c'est assez limité. Il n'y avait qu'un tirage quinte avec 7 et 9. Et je ne suis pas convaincu que préflop, ce joueur call. Donc, il a été payé deux fois, Siver, donc c'est plus possible de bluffer maintenant. Il économise ses jetons, je pense que c'est bien joué. À mon avis, Glantz devrait checker derrière. Il n'a pas vraiment de raison de miser maintenant. Et voilà, c'est checké. Oui, parce qu'on ne sait jamais. Si Siver a les 9, il check la river aussi. Il fait aussi deux barrels. Donc il n'a aucune raison de miser, Glantz. Definitely learn a thing or two about hitting a pair. Obviously, sign of respect, I don't bet the river. Et il dit, c'est parce que je te respecte que je ne mise pas à la river. C'est parce qu'il le respecte et parce qu'il joue bien, Matt Glantz. Bah, c'est quand même dur de value, là, vaut mieux checker. C'est difficile. Allez, on va faire un petit tour en table annexe. Buchanan avec As-2 contre Sung. Mais qui a As-2 lui aussi? Oui, ils avaient la même main, mais ça s'est bien amélioré sur ce flop pour Buchanan. Et ça s'améliore encore plus à la turn. Élimination de Sung. Et c'est donc le Canadien qui participera à notre table finale. Sean Buchanan qui est en tête dans la course au Bounty. Il en a empoché 4 pour un profit de 20 000 $. Suivi quand même, on l'a vu, hein, de Jason Mercier. Augmentation des blindes, 500 000 en T100 pour nos deux tables restantes. Alors j'ai vu le valet de pique, mais j'ai pas vu la carte qui l'accompagnait. Non, moi non plus, je sais pas si c'est valet 7 ou valet 3. Quoi qu'il en... valet 3, ben, c'est une main avec laquelle il décide d'attaquer depuis le bouton. Oui, le valet lui a suffi en fait, hein, pour attaquer au bouton. C'est payé. Oui. Matt Glantz qui a une bonne main pour défendre, hein, roi 8. Pas trop mal. Oh là là, le 8 pour Glantz, mais le valet pour Siver. Ça peut encore chauffer là entre les deux hommes. Oui, oui, la deuxième paire en heads up. Ça a de la valeur, c'est pas rien. 3006. Et donc bet, Glantz. Oui, donc bet, ça veut dire qu'il prend l'initiative de miser au flop alors que c'est pas lui qui avait attaqué pré-flop. Et c'est payé. Oh là là. Très belle turn qui ouvre un tirage couleur en plus à Siver. Et voilà, c'est un peu le problème du donk bet, hein, c'est que on est payé, alors maintenant la turn, il sait pas du tout où il est, il sait pas du tout si son 8 est bon ou pas. Il a aucune information supplémentaire. Et du coup, il check, et Siver en profite. D'autant plus qu'il a vraiment amélioré sa main, et donc il mise 7000. Ouais, je pense que Glantz va payer parce que ce 2... Ah, il relance à tapis, oh là là, c'est payé. Voilà, c'est payé instantanément par Siver. Attrapé, ficelé. Il joue les rois, les 8. Mais enfin, le roi, faut pas qu'il tombe à pique. Top, he's good. And a flush draw. He's got the world. Alright, let's see the river card. Allez, la river. La brique à la river, doublette du 2. Et doublette du tapis de Scott Siver. Qui va donc doubler, même un petit peu plus. Ah oui, il passe à 82 000 de stack. Il est repassé en tête dans ce heads up. Mais pas très très content, Matt Glantz. Je crois que son analyse, c'était de dire, après le donk bet, il s'est fait coller par quelqu'un qui voulait peut-être bluffer derrière. Et en checkant au turn, il s'est dit, bah oui, c'est ça, Scott Siver essaie de me bluffer. Alors je vais faire un check raise, et puis ça devrait passer. Exactement.
Welcome back to the... Oh, t'avais manqué, Alexis, j'en suis sûre. Elle m'avait manqué, tu parles, oui, elle a frappé à ma porte pour que je lui ouvre toute la nuit. Mais j'ai été fort, Marion, j'ai été fort. Je savais qu'on avait poker, qu'il fallait que je prenne des forces. C'est pas facile de commenter du poker, donc j'ai dit non, Johanna, non. On retourne aux choses sérieuses, il ne reste plus que deux tables. Et on va faire un petit tour justement des tables. Luis Vasquez contre Peter Jetten, on est à peu près à égalité. Et à la table télé, Scott Seaver domine complètement Matt Glenz, 91 000 à un peu plus de 50 000. Et ça continue de parler hein, entre ces deux joueurs. On le savait, on l'avait prédit. Ce sont des joueurs qui aiment bien faire le show. C'est vraiment sa technique à Seaver, il nous l'a dit. Être détendu à une table, ça permet de mieux jouer, d'avoir une meilleure analyse de son adversaire. Puis c'est tellement plus agréable, des joueurs qui prennent plaisir à jouer et qui expriment ce plaisir. Alors As-Valet au bouton. Mais c'est une relance, bien sûr, c'est une excellente main. Et malheureusement pour Seaver, il a un as avec un problème de kicker. Je dis malheureusement parce que c'est une très bonne main au heads-up et il peut penser qu'il a la meilleure main en ce moment. Ce qui est loin d'être le cas. Ouh, et là, ce flop. Oh là là, et ça va être très très difficile. Ça peut être le dernier coup. Il check Seaver, bien évidemment. Glantz va faire un continuation bet. Il y a 5002. Oh, il fait cher, il fait 4100. C'est payé. Très difficile de mettre Seaver sur une main à ce moment du coup parce que il a juste payé préflop. Et il y a tellement de tirages sur ce board. Tellement de tirages qui seraient rentrés à la turn. Hein. C'est le 6 de trèfle qui tombe. Et c'est la raison pour laquelle Glenz check. Il veut pas faire grossir le pot, un pot qui est déjà important. Avec beaucoup de menaces. Et Seaver a peur de checker. Hein. S'il check et que ça engendre un check sur son adversaire, il va perdre de la value. Il pense avoir la meilleure main et du coup, il attaque. Il fait 8100 lui aussi, il fait assez cher. Oui, et puis il fixe lui-même le prix de la river, ce qui n'est pas forcément idiot. Voilà, il a retourné fièrement sa main, hein. Il était convaincu d'être devant. Got funny facial expressions. Funny things are happening. En tout cas, un joli pot. Allez, on va voir notre autre table avec deux paires As 9 contre un tirage quinte raté. Que va faire Jetten avec son auteur valet à la river? J'espère qu'il ne va pas perdre trop parce que Vasquez ne va certainement pas quitter le coup avec deux paires As 9, ça c'est sûr. Ouais, il faudrait pas qu'il parte en bluff. Il a raté son tirage. Tant pis, coup suivant. Eh bien, s'il est parti en bluff, Jetten. Ah, c'est payé automatiquement par Vasquez. C'en est fini pour ce heads-up. Vasquez qualifié pour la table finale. Et Peter Jetten qui revient bredouille, il a zéro bounty. Oh, et Vasquez, lui, en cumule 4, déjà 20 000 $ de bounty, plus 60 000 $ pour avoir gagné sa table. Il est déjà à 80 000 $ de gain. Et le heads-up continue sur la table télévisée entre Seaver et Glantz. Don't worry, you'll get top pair versus middle pair again, sometime. Seaver est repassé derrière. Il n'y a plus que 51 000 de stack. Glantz qui attaque au bouton avec 10 et 8 de carreau. Et je crois que c'est As-Dame. J'ai vu une dame de carreau, mais j'ai pas vu la carte qui l'accompagnait. Ah là là, non, c'est mieux que ça, deux dames. Et il relance à 9000. Et toujours la même posture hein, de Seaver. Les mains qui dissimulent une partie du visage. C'est payé par Matt Glantz. This could be it, Sky. Careful. Oh là là, il y a de l'intimidation. Ça pourrait se terminer là, lui dit-il. Fais attention. Oh là là, et ça va se terminer là, très certainement. Le brelan flopé sur un flop paradisiaque pour une paire de dames. C'est la phrase prémonitoire chez Matt Glantz.
receiver qui mise 8000. Il n'y a pas vraiment de raison de relancer. Hein. Ouais, ah non, ça va être payé. Mais c'est souvent ce qui se passe hein, entre deux, on a pu le constater. Ça relance rarement sur le flop. La turn, un 5. Receiver qui va probablement continuer de miser, là. C'est une très bonne carte. Oh là là, il fait tapis. Mais oui, tapis payé tout de suite. Eh oui, incroyable. Un coup dur pour Seaver. Inévitable en heads up. Il ne joue plus que les dames à présent. It's going to cost you 41,100 when I hit the queen. Scott's all in for... Good luck. Ouais, il lui dit bonne chance, mais deux out, c'est mais léger. Il lui dit ça va te coûter 41,100 quand je toucherai ma dame. Queen on the river. Et non, c'est un 3 qui vient à la river. Matthew Glantz, ouais, qui est vainqueur de ce heads up. Il se débarrasse d'un adversaire coriace et il gagne donc une place en table finale, une place bien méritée. Oui, 70 000 dollars de gain, 10 000 de bounty et 60 000 pour avoir vaincu sa table. Il est maintenant temps de nous quitter, mais je vous fais une promesse. On se retrouvera très bientôt pour la suite et la fin de ce NAPT Mohegan-Sun avec la table finale. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne nuit à tous, à bientôt. Salut Marion. Merci de nous avoir suivis. Au revoir tout le monde. Au revoir Alexis. PokerStars vous a présenté le North American Poker Tour. Trouvez la star du poker qui est en vous sur PokerStars.fr.